je pense que d'un point de vue de santé publique, parce que moi je travaille en santé publique, c'est important de comprendre qu'en fait, Dr. Alexandre Yaxin a beaucoup contribué à la science, pas seulement pour les Vietnamiens, mais aussi par le monde entier. Les leçons qu'on peut tirer de cette image, c'est en fait, pour moi, c'est un chercheur qui a beaucoup travaillé avec passion pour résoudre des problèmes qui étaient propres à la communauté ici, en Asie. Deuxièmement, je pense que lui, c'est quelqu'un qui a vraiment cherché les solutions très pratiques et pragmatiques pour réaliser ses rêves de recherche, mais aussi pour répondre à des questions qui sont nécessaires pour la population locale. Finalement, je pense que c'est important aussi de voir que Alexandre Yersin, bien sûr, il était français, il était suisse, mais la plupart des Vietnamiens, bon, mais pas la plupart, mais les gens, j'ai parlé avec les gens, et certaines personnes l'ont pris comme un colonialiste. Et pour moi, ce n'était pas tout à fait ça. Lorsque vous regardez tous les documents et voir comment Monsieur Nam a aimé la population locale, il a aidé les malades, les enfants du village, etc. Et tout ça, ce n'est pas vraiment une image de quelqu'un qui a colonisé la population. Mais aussi, lorsque vous revenez sur l'histoire du développement de l'école de médecine de Hanoï, vous voyez aussi qu'en fait, lui, c'est quelqu'un qui a voulu former les médecins du Vietnam, de l'Indochine. Hein? Parce qu'il y a une histoire après, qu'en fait, tu vas voir le nouveau gouverneur est venu et il y a le chef de service de santé qui voulait prendre la direction de l'école de médecine et qui voulait aussi former les médecins auxiliaires. Ce n'est pas vraiment des médecins principaux, les principaux. Et c'est ça, je pense, qu'en fait, l'humanité en Yersin de l'époque. Alexandre Yersin. Có bao nhiêu người, có bao nhiêu bạn sinh viên ngồi trong phòng này đã từng nghe đến tên Yersin? Giơ tay thì xem. Je dois être honnête pour vous dire qu'en fait, j'ai appris Yersin très récemment seulement. Il y a environ 10 ans, lorsque j'ai commencé les études à Hanoï, je viens de campagne, et Yersin, pour moi, c'était inconnu. Et j'ai vu le nom de Yersin dans la rue. Pour ceux qui travaillent en microbiologie et en santé, en médecine, je pense que Yersin, ce n'était pas quelqu'un inconnu. Mais pour la population locale, je ne parle pas de Nhatron ou de Dalat, à mon avis, pas beaucoup de monde connaissent Yersin en détail. C'était la première l'université ou l'école de médecine de l'Indochine. Il a beaucoup travaillé pour monter cette école de médecine qui devient maintenant l'université de médecine la plus grande du Vietnam. Et en fait, il a dû aussi enseigner lui-même parce qu'il n'y avait pas assez d'enseignants à l'époque. Donc, vous voyez, il a enseigné la zoologie, la physique, un peu de tout. Et j'étais impressionné par toute la description qu'il a faite dans les lettres qu'il a envoyées à sa mère. Vous voyez, c'est incroyable de voir quelqu'un qui a écrit tous les semaines une lettre, bien que ce n'était pas très long, une demi-page ou un tiers de la page, et qui a détaillé ce qu'il a fait pendant cette semaine-là. Pour moi, en lisant tout ça, c'était quelqu'un incroyable pour moi. Vous voyez qu'en fait, c'est toujours difficile de commencer quelque chose de zéro. Et en fait, construire l'école de médecine de Hanoï de zéro, c'était la difficulté pour Yersin.
Mais après ça, il est content parce que les Vietnamiens, les indigènes qui ont bien travaillé, etc., c'était heureux. Je pense que le problème le plus difficile pour lui, c'est en fait il ne pouvait pas réaliser son rêve de former les médecins indigènes. En fait, il a dû accepter la nouvelle politique, je dirais, de former des médecins auxiliaires qu'il ne voulait pas. Et il était honnête de quitter sa fonction d'être directeur de l'école de médecine à l'époque pour rentrer à Nhà Trang, investir complètement son temps pour le développement de son institut de Pasteur, en même temps prendre la direction de l'institut Pasteur de Saigon. C'est quelqu'un que je dois apprendre, comme vous venez de voir comment j'ai expliqué ça à nos étudiants de l'école de santé publique. Je pense qu'en fait, dans le contexte du Vietnam actuel, c'est une société avec beaucoup de mélange parce que vous avez le développement et vous avez des avantages, des inconvénients. Et l'image et les leçons qu'on peut tirer d'Alexandre Yersin, c'est important pour nous, surtout les jeunes comme moi, et surtout pour ceux qui travaillent en recherche. C'est la passion pour poursuivre les objectifs de notre travail, mais c'est aussi les connaissances pratiques pour surmonter les difficultés qu'on a dans notre contexte scientifique. Donc ça c'est important pour les chercheurs, mais aussi un objectif plus grand pour travailler pour la communauté. Donc ça c'est une approche, on dit maintenant, transdisciplinaire. Vous voyez, l'approche interdisciplinaire. Il n'a pas travaillé seulement en microbiologie, il a travaillé sur autre chose pour résoudre le problème qu'on a en ce moment. Il y a 200 ans, toutes ces choses-là, on est en train de pratiquer. Voyez? On parle de santé unique, il a travaillé sur les zoonoses, les maladies transmissibles des animaux aux humains et inverse. En fait, il a mobilisé les ressources de différentes personnes pour réussir à sa recherche. Tout ça, c'est l'approche qu'on est en train de pratiquer en 2012, 2013, 2014, au 21e siècle. Apparemment, il n'était pas une personne facile. Il était très, comment dire, fâcheux ou difficile pour les gens, mais pas pour la population locale. Il a fermé la porte de sa maison aux touristes ou aux étrangers, mais pour la population locale, ça va. Les enfants peuvent venir quand ils veulent, ils leur donnent du bonbon, etc. Yersin, c'était quelqu'un qui a bien aimé la population locale. Alexandre, Yersin, bản cảnh Thanh Hoa, bản thổ thổ địa thần, thôn thần và nhân viên tùy tùng học hạ, đồng lai quân phù hộ cho Donc il est un citoyen, je dirais, global, mondial, et il a fait beaucoup de choses pour nous, le Vietnam à l'époque, et ça reste encore jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'en fait, l'image de Yersin peut être conservée de façon précieuse pour que son image peut servir pour l'éducation des jeunes au Vietnam. Parce qu'en fait, vous voyez, au Vietnam, on parle beaucoup de science et de la technologie. Et ce pays,
Je pense que si on peut développer la science et la technologie et l'éducation pour le Vietnam, ça c'est quelque chose de très bénéfique pour notre pays. Et l'image de Yersin, c'est une image importante, je crois, pour éduquer les jeunes, pour qu'ils travaillent beaucoup de façon sérieuse, bien sûr, et de façon utile pour la communauté. Et ça, c'est important d'avoir Yersin dans notre histoire, dans ce pays.